tous. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer une correction de l'évaluation sur l'ONG numéro 1, la Belgique. Donc j'ai devant moi la feuille qui, enfin le paquet de feuilles qui vous a été présenté. Et donc en premier lieu, on vous demandait, donc sur la carte numéro 1 en page 2, de réaliser les consignes suivantes. Premièrement, d'indiquer en noir le nom des provinces belges et en bleu le nom des villes chefs-lieux. Je me rends sur la carte en page numéro 2 et je note donc en noir les différentes provinces. Alors nous avons ici la Flandre occidentale, à l'est la Flandre orientale, encore à l'est, Anvers, la province d'Anvers, au sud de la province d'Anvers, le Brabant flamand, à l'est du Brabant flamand, le Limbourg, la province du Limbourg. Au sud du Brabant flamand, le Brabant wallon. Au sud-ouest du Brabant wallon, la province du Hainaut. Au sud-est du Hainaut, la province de Namur. À l'est du Brabant wallon et au nord-est de la province de Namur, la province de Liège. Et enfin, au sud de la province de Namur, au sud-est, pardon, et au sud de la province de Liège, la province du Luxembourg. Ensuite, nous vous demandions, donc voici la carte, on vous demandait de indiquer en bleu le nom des villes chefs-lieux. Je reprends la carte, je prends ma couleur bleue et je viens indiquer les différents chefs-lieux de chaque province. Donc pour la Flandre occidentale, la ville de Bruges. Pour la Flandre orientale, la ville de Gand. Pour la province d'Anvers, la ville d'Anvers. Pour la province du Brabant flamand, la ville de Leuven ou Louvain. Pour la province du Limbourg, la ville de Hasselt. Pour la province du Brabant wallon, la ville de Wavre. Pour la province du Hainaut, la ville de Mons. Pour la province de Namur, la ville de Namur. Pour la province du Luxembourg, la ville d'Arlon. Et enfin, pour la province de Liège, la ville de Liège. Voilà. Donc, vous avez devant vous la carte des provinces avec leurs différents chefs-lieux. Ensuite, on vous demande, pardon, d'assurer en rouge la région wallonne et en vert la communauté flamande. Alors, pour rappel, il y a trois régions en Belgique. La région
Wallonne, la région flamande et la région Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale, pardon. Et donc, vous demandez la région Wallonne en rouge. Je viens assurer la région Wallonne en rouge. Voilà. Et on vous demande d'assurer envers la communauté flamande. Hop. Et j'oublie pas la petite zone ici, bien évidemment, pour la région wallonne. Et au niveau de la communauté flamande, je prends mon verre et je viens assurer la communauté flamande. Voilà. Ensuite, on vous demande, donc sur la carte numéro 2, en page numéro 3, de réaliser les consignes suivantes. De repasser en bleu les trois fleuves de Belgique et d'indiquer leur nom. Je prends ma couleur bleue, je viens sur la carte numéro 2 et je repasse les trois fleuves. Nous avons ici l'Isère. Pour une écriture moins. Voilà. Ensuite, nous avons ici, au nord de l'Isère, donc qui se jette à Anvers, l'Escaut, au nord de au sud de l'Isère, pardon. Nous avons l'Escaut qui se jette à Anvers. Je repasserai après avec un plus gros marqueur. Donc, l'Escaut. Et enfin, nous avons le dernier fleuve, donc la Meuse, qui passe par Namur. Pour ensuite venir se jeter dans la mer du Nord, mais aux Pays-Bas, donc la Meuse. Voilà. Oups. Alors ensuite, on vous demande, pardon, de indiquer envers les pays limitrophes de la Belgique ainsi que leur capitale. Donc je vais indiquer envers les pays limitrophes et entre parenthèses la capitale de ces pays. Donc nous avons ici donc au sud-ouest de la Belgique, la France, avec comme capitale Paris. Nous avons au sud de la Belgique, au sud-est, le Grand-Duché du Luxembourg. Avec comme capitale Luxembourgville. Je recommence. Les aléas du direct. Avec comme capitale, donc. Luxembourg, ville. Et à l'est de la Belgique, donc, l'Allemagne, avec comme capitale Berlin. Et au nord de la Belgique, les Pays-Bas. Avec comme capitale Amsterdam.
Voilà. Est-ce qu'on nous demande encore quelque chose en page numéro 3? Oui. Place avec exactitude les villes suivantes: Charleroi, Ostende, Mons, Anvers et Bruxelles. Donc, Charleroi. Je prends maintenant mon bic noir. Alors, Charleroi se trouve ici. Mons se trouve ici. Bruxelles, c'est notre capitale, se trouve ici. Et enfin, Ostende se trouve ici, donc à la côte belge. Donc, il me manque encore Anvers, qui est ici. Voilà. Ensuite, donc on vous demande de compléter les phrases suivantes. En Belgique, les trois langues officielles sont le français, l'allemand et le néerlandais. Notre pays est une monarchie, c'est-à-dire que le chef d'État est un roi qui s'appelle Philippe. Qui est le premier Philippe, du coup, on peut marquer Philippe Ier. La capitale de la Belgique est Bruxelles. Chaque année, le 21 juillet, on y célèbre la fête nationale. Et enfin, c'est alors l'occasion de chanter l'hymne national belge qui s'appelle la Brabançonne, avec un B majuscule. Voilà. Donc nous avons complété l'évaluation. Je vous invite à être attentif à chaque fois aux majuscules lorsqu'il y en a. Et voilà. Bon travail.